La vie, mode d'emploi de Georges Perec, lu par 99 lecteurs. Incroyable aventure. Merci à la médiathèque Françoise Sagan. Merci à la bienveillance des ayants droit de Georges Perec à notre égard. Et nous avons le très grand honneur d'avoir parmi nous Sylvia Richardson. Merci aussi à Jean-Luc Joly, président de l'association Georges Perec, de nous avoir donné accès aux différentes traductions de La vie, mode d'emploi. Ainsi, dans un instant, vous allez pouvoir entendre chanter la langue de Perec en italien, anglais, japonais, turc, portugais, allemand, grec, hébreu, néerlandais et espagnol. Tentative d'épuisement d'un texte, laboratoire choral, je vous laisse le soin de choisir les mots. Votre présence honore la littérature et plus particulièrement Georges Perec. Merci à vous. Place au spectacle. La résolution du puzzle consistera simplement à essayer à tour de rôle toutes les combinaisons plausibles. L'art du puzzle commence avec les puzzles de bois découpés à la main. Lorsque celui qui les fabrique entreprend de se poser toutes les questions que le joueur devra résoudre lorsque, au lieu de laisser le hasard brouiller les pistes, il entend lui substituer la ruse, le piège, l'illusion. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d'une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne. Dans le train, on faisait réserver un compartiment tout entier où il pouvait chercher à vivre un peu comme sur son trapèze et se coucher dans le filet. Mallette plastique comprenant un double mètre pliant, une paire de ciseaux, une roulette, un marteau. Pendant 20 ans, de 1935 à 1955, il parcourait le monde, peignant à raison d'une aquarelle tous les 15 jours, 500 marines de même format. Cloison comportant. Circuit de télévision intérieure. Terminaux d'ordinateur. Salle de conférence avec traduction simultanée. Restaurant d'entreprise. Il se peindrait en train de se peindre et déjà, l'on verrait les louches et les couteaux. Quadrata. Al centro, una tavola rotonda, sulla quale ci sono due coperti. Un sottopiatto metallico a forma di losanga, una zuppiera dal coperchio scostato che lascia passare il manico di un mestolo argentato. Un piatto bianco. 一番背の低い男が彼よりも大きな鍵の重さに身を留めながら先頭を切っている。二人目はこの上なく慎重にデコレーションケーキのように並べられ Bu yıl kazanın bakım ve temizleme işinin kendisine beklenmedik biçimde çok iş çıkaracağını ve dolayısıyla da kazancının azalacağını fark ediyor. Olivier, savaş sırasında radyosunu ve üstünde günlük irtibat... Estaba cerca del cabo San Vicente, al sur de Portugal, a finales del año 1937, poco antes de iniciar su largo periplo por África, conoció... Y él relie la serie d'instructions qu'elle laisse a Jane Sutton. Faire une livraison de Coca-Cola. Changer tous les deux jours l'eau des fleurs et ajouter chaque fois un demi-cachet d'aspirine, les jeter quand elles seront fanées. Faire nettoyer le grand lustre de cristal, appelé la maison Salmon. En face d'un immeuble parisien, n'a jamais pensé qu'il était indestructible. Une bombe, un incendie, un tremblement de terre peuvent certes s'abattre, et s'abattre sur lui, mais sinon... À la manière de ces peintres de la Renaissance, qui se réservaient toujours une place minuscule au milieu de la foule des vassaux, des soldats, des évêques ou des marchands. Non pas une place centrale, non pas une place privilégiée et significative à une intersection choisie le long d'un axe.
ne viendrait habiter. Merci.